Bonjour Pascal, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour discuter de Jarvis Network, de finances décentralisées et du pont entre la CeFi et la DeFi, la finance centralisée et la finance décentralisée. On va voir en quoi Jarvis arrive à relier ces deux mondes et à proposer de nombreux services, dont celui de créer des stablecoins, J-Euro, J-USD et bien d'autres, et de développer un forex sur la blockchain notamment. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Pascal, et nous dire quelques mots sur ta solution, sur ta création Jarvis Network, s'il te plaît? Ok, donc déjà, merci de m'accueillir sur ton podcast. Donc moi, je m'appelle Pascal Talarida, j'ai 34 ans déjà. Je suis dans les cryptos depuis 2017. Je suis tombé amoureux de la DeFi lorsque ça a commencé à balbutier en 2018-2019. J'ai voulu faire une petite expérience d'essayer de vivre sans compte en banque pendant quelques mois, en essayant de générer des intérêts avec la DeFi. Alors, c'était une époque où il n'y avait que Campand. Il y avait aussi un autre projet qui n'existe plus, qui s'appelle Nuo. Et les taux d'intérêt, c'était 10% et c'était déjà la folie. Parce que 10% sur du stablecoin, par rapport à ce qu'on a l'habitude, c'est assez impressionnant. Et en fait, le virus m'a piqué à ce moment-là. C'était facile à ce moment-là de suivre la DeFi parce que il y avait vraiment un nouveau projet toutes les semaines. C'était une petite communauté. Et puis, à la fin de mon expérience où j'ai voulu essayer de vivre sans compte en banque et uniquement avec les intérêts de la DeFi, en fait, je me suis dit, allez, pourquoi pas continuer? Et puis, maintenant, ça fait depuis 2019, donc ça fera bientôt 2 ans. Et pas de regret, puisque du coup, grâce à ça, ça m'a permis d'être assez early dans la DeFi et donc de profiter du DeFi Summer. Et puis, voilà. À côté de ça, du coup, je travaille à Jarvis Network, que j'ai fondé. Et je suppose qu'on va en parler un peu après. Mais très vite et très grosso modo, en gros, on fait des stablecoins, donc euros, livres sterling, etc. Et on permet aux gens de les échanger. Donc, l'idée, c'est de créer un peu un forex sur la blockchain. Et contrairement au vrai forex qui existe dans le monde traditionnel, les cas d'utilisation sont vraiment différents. Et pour moi, le principal cas d'utilisation, c'est en fait la mass adoption. Donc, j'aimerais bien après en parler pour essayer d'expliquer en quoi ça peut aider l'adoption de la DeFi et de la crypto, en mode non custodial en tout cas. Et puis voilà, puis récemment, du coup, je me suis mis aussi au NFT, parce que la DeFi, c'était très 2020, les NFT, c'est très 2021. Et je pense que 2022, ça sera un mix entre DeFi et NFT, et les métaverses aussi. Donc, un autre sujet aussi qu'on pourra aborder si tu veux. Et puis voilà. Pascal, on s'était eu il y a un an sur Cryptost pour discuter de finances décentralisées en plein cœur du fameux été de la DeFi où tous les projets de finances décentralisées explosaient. Un an après, qu'est-ce qu'on en garde de cet été de la DeFi? Écoute, on en garde qu'a priori, on a toujours les mêmes modèles. Donc, il n'y a pas eu énormément d'innovation dans le yield farming. Mais ça marche toujours autant. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de raison de changer une recette qui marche. Ce que l'on peut voir par contre et ce qui est différent de l'an dernier, c'est que c'est devenu multi-chaîne. Donc, je suppose que tout le monde a suivi la hype autour de BSC, puis ensuite Polygon. Là, maintenant, il y a Avalanche, il y a eu Solana aussi, Avalanche et maintenant Phantom. Donc là, a priori, toutes les blockchains, alors ce n'est pas vraiment des ETH killers, c'est plus on va dire des blockchains alternatives dans un monde multi-chaîne. Tour à tour, ils essaient en fait de mettre sur la table un énorme montant de tokens qui correspond à une énorme valeur en dollars. Donc, Phantom, c'est 370 millions de tokens. Donc, ça fait à peu près 370 millions de dollars. Avalanche, c'est 180 millions de dollars pour attirer du coup les projets qui, en général, étaient sur Ethereum et BSC et se lancer en gros sur leur chaîne. Et a priori, c'est une tendance qui va se poursuivre jusqu'à ce que tous les Ethereum killers qui ont des tokens à dépenser lui fait. Alors après, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, parce que comme tu sais sans doute, la liquidité, elle n'est pas très fidèle. Elle va là où les incentives sont. Donc, mon pari, c'est que, en fait, on fait juste un petit tour et puis on reviendra tous sur Ethereum et sur l'écosystème Ethereum, donc que ce soit les sidechains ou les layer 2 qui sont en train de courir un peu à droite à gauche. Et puis, voilà quoi. Donc, on voit que c'est toujours un modèle qui est stable. Alors, après, il y a une grosse différence aussi par rapport au DeFi Summer de l'an dernier. Et je pense que c'est apporté par Convex.
En fait, c'est la première fois qu'on voit que le yield farming, en fait, on peut le faire de manière assez intelligente et en synergie avec d'autres projets, donc en l'occurrence Curve. Et aussi, contrairement à beaucoup d'autres projets comme StakeDAO, Wyvern et autres agrégateurs comme Bifi, qui vont permettre aux gens de faire du yield farming en investissant dans un projet, récupérant le token du projet, en vendant ce token pour générer du yield. Ben Convex, lui, le fait de manière beaucoup plus synergétique, puisqu'il n'y a pas de dump du token. Et moi, j'ai quasiment fait all-in, entre guillemets, sur Convex, parce que, contrairement aux autres DEX, enfin, aux autres agrégateurs, ils me permettaient non pas d'accumuler leur token à eux ou autres, mais d'accumuler du Curve token, en fait. Et donc, ça, je pense, c'est la grosse différence entre l'an dernier et cette année, c'est qu'il y a, il y a du yield farming un peu plus sophistiqué et ça bénéficie à tout le monde. Et quelles sont les barrières qu'on avait l'année dernière, qui persistent aujourd'hui, et au contraire, celles qu'on a réussi à lever 12 mois plus tard? Tu parlais des Layer 2, on vient de voir que Arbitrum a été lancé notamment, c'est quand même de belles avancées. Ouais, mais honnêtement, je pense pas que pour l'instant on ait gagné sur le terrain de l'adoption et des barrières. C'est ultra compliqué d'aller sur des layers 2 et des sidechains, à part si tu as une manière d'aller directement, genre d'aller directement sur Polygon ou directement sur Arbitrum. Mais sinon, il faut passer par Ethereum et puis par un bridge. Et puis, c'est pas si facile que ça. Là, par exemple, il y a plein de monde qui ont oublié que un layer 2, c'est pas comme une sidechain. Tu peux pas faire layer 2, layer 1 assez facilement. Et du coup, je connais des gens cette semaine qui ont dit, ah tiens, je vais tester Arbitrum. Ils ont eu de l'argent là-bas. Ils ont fait, ah, c'est pas mal, mais je vais revenir sur Ethereum. Ah non, merde, il faut que j'attende 8 jours. Et donc, tu vois, c'est tous ces trucs-là qui, pour l'instant, ne sont pas encore en place. Après, on vient de commencer, donc c'est normal. Mais sinon, il y a comme barrière à l'entrée par rapport à l'an dernier. Bon, il y a le gaz sur Ethereum qui est devenu encore pire que l'an dernier, même avec le IP 1559. Et puis voilà. Donc, pas de nouveautés du côté de ça. Et du côté communication entre CeFi et DeFi, ça a pas mal évolué. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Jarvis, donc. Parce que l'année dernière, on se demandait encore si la DeFi n'allait pas écraser la CeFi. Et finalement, on voit bien qu'on recherche plutôt des synergies entre ces deux mondes. Et Jarvis l'incarne en partie. Est-ce que tu peux nous présenter plus en profondeur Jarvis, s'il te plaît? Alors juste pour le côté CeFi DeFi, effectivement, il y a eu pendant un moment, on a parlé de la CDeFi, qui est en fait des entreprises, donc la finance traditionnelle qui utilise la DeFi comme back-end. Et donc, on voit que ça a commencé. Donc il y a des banques suisses qui vont utiliser sans doute la liquidité, par exemple sur AAV, pour proposer des rendements à leurs clients. Et moi, je vois bien cette trend, on avait, je crois, parlé l'an dernier, mais là, ça devient concret. Du coup, DeFi as a service ou DeFi as a back-end, où justement des entreprises centralisées utilisent des protocoles décentralisés pour améliorer leur service. Et c'est un des créneaux sur lesquels justement nous on se porte et dont je peux en parler après. Donc, en gros, Jarvis, donc comme j'ai dit, on fait deux choses. D'un côté, on émet des stablecoins et de l'autre, on permet aux gens de les échanger. Alors, ça paraît pas très sexy, l'échange de stablecoins. Mais en réalité, c'est pour moi la pierre angulaire de l'adoption du monde de la crypto. Donc, pour l'émission de stablecoin, il y a en général deux possibilités. Enfin, il y a trois, mais deux grandes possibilités. C'est soit tu déposes un euro dans un compte en banque et tu crées un euro sur la blockchain. C'est ce que fait Stasis, par exemple, ou USDC de Circle. Soit tu fais un actif synthétique qui est un peu plus compliqué à comprendre. Mais sans rentrer dans des détails un peu chiants, c'est un peu comme un prêt. Quand tu vas à une banque et que tu veux emprunter de l'argent pour acheter une maison, la banque, elle peut te demander une garantie. Par exemple, si tu as déjà une maison, elle va te dire, est-ce que tu peux mettre ta maison qui vaut par exemple 200 000 euros en garantie? Et si jamais tu ne rembourses pas les 100 000 euros que tu viens de m'emprunter, ma foi, je te saisirai ta maison. Comme ça, la banque, elle est rassurée puisque elle prête 100 000, mais quelque part, elle sait qu'elle est assurée à hauteur de plus de 100 000 euros, quoi, 200 000 euros. Le seul risque que la banque court, c'est si un jour la maison ne vaut plus 200 000, mais vaut, je sais pas, par exemple, 50 000 euros. Là, à ce moment-là, la banque, elle pourrait craindre en disant, ah, mais merde, si le mec arrête de me rembourser, je vais récupérer un truc qui vaut moins cher. Bon, un synthétique, en fait, c'est ça. C'est un prêt que l'on fait à soi-même. Hein, on n'emprunte pas de l'argent à quelqu'un. Donc, nous, dans notre cas, on demande à l'émetteur de notre stablecoin, donc si c'est par exemple un stablecoin euro, qui donc est censé représenter un euro, de déposer en garantie au moins 1,25 fois la valeur de son emprunt.
Donc, si aujourd'hui tu veux par exemple 100 J euros, donc tu vas faire un emprunt et tu vas devoir déposer 125 euros de collatéral. Et donc, le collatéral que l'on utilise, nous, c'est l'USDC. Donc, c'est-à-dire que tu vas déposer en gros, on va dire 100, 100, 140 USDC. Ensuite, tu vas emprunter 100 J euros. Et tant que la valeur de tes J euros, elle est inférieure à la valeur du collatéral en USDC, il n'y a pas de souci, tu ne risques aucune liquidation. Si, par contre, à un moment donné, la valeur du collatéral passe en dessous d'un certain seuil et s'approche de la valeur de ton emprunt, bah, tu seras liquidé. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bon, tu ne vas pas perdre tes J euros, tu vas les garder. Par contre, tu vas perdre ton collatéral. Et au final, du coup, tu auras perdu de l'argent puisque la valeur du collatéral est supérieure à la valeur de tes J euros. Donc, tu garderas tes 100 euros, mais tu ne pourras plus récupérer les 125 euros de collatéraux que tu avais mis. Et alors, cette méthode d'émission du J euros, c'est ce qu'on appelle en gros le self-minting, puisque bah, tu vas émettre toi-même ce stablecoin. Alors, ce n'est pas très, très évident à faire, ce n'est pas très user-friendly. Et du coup, l'immense majorité des gens, lorsqu'ils veulent acquérir du J euros, ils ne vont pas le faire en utilisant ce procédé. Donc, c'est juste un procédé que je t'ai expliqué. Ils vont le faire en utilisant le procédé d'achat à un fournisseur de liquidité. Donc là, c'est le même système, c'est-à-dire que c'est le fournisseur de liquidité qui va émettre lui-même le J euros. Donc, il va mettre du collatéral, il va emprunter du J euros et ensuite, il va te le vendre. Donc, toi, c'est pas mal parce que bah, si tu veux du J euros, tu n'as pas tout ce truc un peu complexe à faire de self-minting, déposer en collatéral. Il suffit juste d'aller sur notre exchange, donc app.jaris.exchange, et de dire, voilà, moi, je veux acheter, par exemple, je sais pas, 300 J euros. Et donc, lorsque tu demandes, enfin, lorsque tu vas acheter ces 300 J euros, ce qui va se passer sous le capot, c'est qu'un fournisseur de liquidité va émettre ces 300 J euros et ensuite, il va te les vendre. Et c'est comme ça, en gros, que fonctionne chez nous l'achat et la vente. Donc, c'est un mécanisme qui est assez intéressant parce que c'est pas comme sur Uniswap, où lorsque tu veux acheter quelque chose, tu vas l'acheter en fait à quelqu'un qui l'avait déjà déposé dans le smart contract. Si tu veux acheter par exemple, je sais pas, du Bitcoin, tu vas acheter du Bitcoin qui existe déjà à un fournisseur de liquidité qui les a déposés sur le smart contract de Uniswap. Nous, en fait, les giros que tu vas acheter, ils n'existent pas à la base. À chaque fois que tu veux en acheter, quelqu'un va les créer pour toi et va te les vendre. Et quand tu veux les vendre, bah, c'est le schéma inverse, c'est-à-dire que tu vas les vendre au fournisseur de liquidité, il va te les racheter. Et ensuite, le fournisseur de liquidité, il ne veut pas les garder. Il ne veut pas de 10 euros. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bah, les détruire et récupérer le collatéral derrière. Et c'est comme ça, en gros, qu'on crée des échanges. Et tout se passe dans une seule et même transaction. C'est-à-dire que ce n'est pas un processus qui est long. C'est si tu dis bonjour, je veux acheter 300 J euros, tu reçois tes 300 J euros à la fin de la transaction. Et c'est dans cette transaction que tout ce que je viens de décrire se passe. Donc, émission du côté du fournisseur de liquidité et vente. La vente se passe à un prix qui est fixe, peu importe le montant que tu achètes. Donc là aussi, ce n'est pas comme Uniswap où plus tu achètes un montant élevé et plus tu as ce qu'on appelle un slippage important. Là, en fait, non, quel que soit le montant, que tu achètes 1 euro ou 100 000 euros, tu auras exactement le même prix. On parle du coup de no slippage exchange. Et donc, bah, c'est tout en fait ce que l'on fait. Donc d'un côté, je répète, on a l'émission de stablecoin, donc qui est un emprunt. Et de l'autre, on a la possibilité de les acheter ou de les vendre sans slippage à des fournisseurs de liquidités. Et donc, c'est comme ça qu'on crée sur la blockchain un forex. Que donc, le forex, c'est un marché sur lequel tu peux t'échanger des devises. Donc, nous, on échange du coup des stablecoins. Donc, tu peux échanger des euros pour des francs suisses pour des dollars pour des livres sterling. Et j'allais te poser la question, mais on pourrait la poser également aux utilisateurs du forex traditionnel. Quel est le cas d'utilisation de ces devises, JEuro, JUSD et autres? Est-ce que c'est que parier à la hausse et à la baisse comme un trader, ou est-ce qu'on peut imaginer générer des rendements sur ces stablecoins? Alors, le use case des stablecoins, ouais, le narratif habituel quand on te vend un stablecoin euro, c'est de dire, ah, mais comme ça, quand tu es en bear market ou quand tu vends tes cryptos, bah, au lieu d'avoir des USDC, tu as des euros. Voilà. Ça, c'est le narratif de base. Alors, il y a deux problèmes avec ce narratif. C'est que déjà, un stablecoin, il lui faut de la liquidité. Effectivement, les stablecoins USD, comme l'USDT ou l'USDC, ils sont extrêmement liquides. Donc, c'est très facile de vendre du Bitcoin ou de l'Ether pour de l'USDC ou de l'USDT. Tu auras un très bon prix. Par contre, essayer de vendre du Bitcoin pour de l'euro,
c'est déjà un peu plus compliqué. Et là, je ne parle pas des exchanges centralisés comme Kraken ou quoi, où là, tu as de la liquidité. Là, j'essaie de vraiment de parler que dans l'écosystème DeFi. Et donc, effectivement, si tu as des tokens AAV et que tu veux les vendre pour des euros, ce n'est pas évident, parce que tu n'as pas une énorme liquidité côté euro. Alors, on ne parle même pas du franc suisse, puisque bah, c'est quasiment inexistant comme devise. Et imagine des devises un peu plus exotiques, par exemple le dollar de Singapour, le dollar australien, le dollar canadien, voire même le zloty polonais, hein, si on veut vraiment aller dans les extrêmes. Et donc, le problème des stablecoins, c'est ça, c'est ça coûte de l'argent à créer les stablecoins tokenisés comme l'euro, et ça coûte encore plus d'argent à créer de la liquidité. C'est pour ça qu'on ne voit que des gros stablecoins comme euro, USD, etc. Donc nous, la solution qu'on propose à ce problème, et donc on a réglé ce problème, c'est en fait de dire que puisque la liquidité, elle est sur le dollar, pourquoi est-ce qu'on devrait se faire chier à créer de la liquidité avec des stablecoins euro ou des stablecoins francs suisses? C'est contre-productif et surtout, c'est mission impossible. Parce que pour créer un marché liquide avec un stablecoin euro, il faudrait déjà une très grande quantité de stablecoin euros. Et ensuite, il faudrait soit faire par exemple du yield farming et demander à ta communauté de déposer des euros et des Ethers par exemple sur Uniswap, soit d'aller voir des market makers professionnels. Et enfin bref, c'est un travail qui est très compliqué. Il y en a d'autres qui ont essayé de le faire et à part Eurostasis, ils se sont plus ou moins viandés. Il y a un projet de stablecoin sur le dollar de Singapour qui s'appelle XSGD. À la base, ils avaient les meilleures intentions. Ils disaient, nous, on va créer un stablecoin pour le dollar de Singapour pour faire de la DeFi avec le SGD. Et en fait, comme ils n'ont pas réussi à créer des marchés liquides, ben, personne ne veut de leur token parce qu'ils disent, OK, mais ça sert à quoi, même si je vis à Singapour, d'acheter du SGD si je ne peux pas vraiment le vendre contre du Bitcoin? Et du coup, ce qu'ils ont fait, ben, maintenant, ils font juste de l'onboarding. C'est-à-dire qu'ils disent, bon, ben, si tu as des dollars de Singapour, tu peux acheter du XSGD et après, tu vas sur un exchange centralisé, tu peux l'échanger contre de l'USDT. Et après, voilà, tu fais ce que tu veux avec la crypto. Et en fait, ce qui se passe là pour le dollar de Singapour, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que d'abord, ils te disent, il faut que tu l'échanges contre de l'USDT pour ensuite aller dans la crypto. Tu ne peux pas vraiment le faire directement avec le dollar de Singapour. En fait, c'est ça qu'on a recréé, nous, sur la blockchain. C'est-à-dire qu'au lieu, comme j'ai dit, de créer des marchés Bitcoin euro, AAV euro, eh ben, on dit, ben, on va plutôt utiliser la liquidité native du dollar et on va, sur notre exchange, combiner deux transactions. Si tu veux échanger des J euros ou des J francs suisses contre le token AAV, ce qui se passe sur notre exchange, c'est que d'abord, il va y avoir un trade Forex. Et c'est pour ça, c'est à ça que sert le Forex en fait sur la blockchain. C'est qu'on va d'abord échanger des J euros contre des USDC avec aucun slippage. Donc si tu as 100 000 J euros, enfin 100 000 dollars de J euros, tu reçois 100 000 USDC. Et ensuite, dans la même transaction, on va tout simplement appeler les smart contracts de Uniswap ou de SushiSwap. Et donc, on va dire, bon, ben, on va échanger maintenant ces 100 000 USDC contre des Wrapped BTC ou des AV. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme tu n'as pas de slippage entre J-Euro et USDC, ben finalement, c'est pareil. 100 000 dollars de J-Euro égale 100 000 USDC. Et donc, tu peux échanger tes J-Euro contre n'importe quel token. Et c'est ça le gros use case que notre technologie permet et ce sur lequel on pousse. C'est que il ne faut pas voir le Forex sur la blockchain comme un meilleur Forex. Les gens ne vont pas vraiment spéculer sur le forex on-chain. Parce que déjà, c'est des petites variations, donc il faut un énorme effet levier. L'effet levier sur les blockchains, pour l'instant, ça ne marche pas énormément bien. Donc, le use case, en fait, c'est simplement de dire, tu es en euros, tu veux acheter un token, par exemple le token RUNE. Il n'y a aucun exchange centralisé aujourd'hui qui propose la paire euro-RUNE. Tu as des francs suisses, tu veux acheter, tiens, un exemple con, tu veux acheter le nouveau token un peu à la mode, c'est le AGLD. Je ne sais pas si tu as suivi, c'est le token qui est lié à l'écosystème Loot. Bon, c'est un truc NFT, mais peu importe. Donc, depuis, ça a été listé hier, ça a pris 500%. Et si tu as des francs suisses, aujourd'hui, tu ne peux pas les acheter. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que tu achètes des Ethers, donc il faut que tu ailles sur Kraken, que tu échanges tes francs suisses pour des Ethers, ensuite que tu envoies sur MetaMask et que tu achètes le Agold. En fait, nous, ce qu'on crée, c'est la connexion entre effectivement le monde fiat et le monde crypto. Donc aujourd'hui, si tu as des J-Fiat, tu peux acheter facilement des Agold. En fait, ce qui va se passer, comme j'ai dit, c'est d'abord un trade Forex, donc franc suisse USDC sur notre exchange, et ensuite un trade sur Uniswap, donc USDC vers les Agold. Et c'est comme ça que tu peux acheter des Agold avec des francs suisses. Et donc, peut-être que ce n'est pas un truc qui va exciter tous ceux qui ont l'habitude de trader sur Kraken, parce qu'ils disent oui, mais moi, je peux déjà trader avec le franc suisse, l'euro. Mais tu peux trader que le Bitcoin, l'Ether et quelques devises. Là, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on connecte toute la liquidité crypto
au stablecoin. Et on est pour l'instant les seuls à pouvoir faire ce type de choses. Et pour moi, c'est la meilleure façon d'aller vers l'adoption de la DeFi. Encore une fois, je ne parle pas d'adoption crypto, parce qu'il y a plein de gens qui tradent sur les exchanges centralisés. Mais pour la DeFi, il y a encore plein de barrières. Et là, on est en train d'annuler cette barrière-là. Alors, quand on est sur Ethereum, il y a quand même la barrière DeFi. C'est pour ça qu'on est parti sur Polygon et qu'on ira aussi sur d'autres blockchains. Et donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que sur Polygon, ça coûte vraiment rien. Ça coûte tellement rien qu'on a mis en place ce qu'on appelle des métatransactions. Alors, métatransactions, sans rentrer dans le détail, en fait, c'est un peu comme si tu demandais à quelqu'un d'autre de payer le gaz à ta place. Donc, en gros, toi, tu fais une transaction sans avoir d'Ether ou de Matic dans ton wallet. Et c'est juste quelqu'un qui va les payer à ta place. Alors, soit cette personne-là va te prendre un peu de tes giros. Donc, par exemple, si tu envoies des giros à quelqu'un qui n'a pas de Matic, elle va peut-être te prendre une petite commission. Soit tu le fais gratuitement. Comme sur Matic, c'est vraiment très, très bas. Les wallets qui utiliseraient notre technologie et qui intégreraient les métatransactions pourraient le faire gratuitement. Et du coup, aujourd'hui, on a la technologie qui est en place et qui est là sur Polygon, avec laquelle tu peux, avec tes JEURO, les échanger contre du Matic ou contre du Bitcoin, même si tu n'as pas de Matic dans ton wallet. Et ça, pour moi, c'est la meilleure manière d'aller vers l'adoption. Alors, ce qui manque pour l'adoption, c'est aussi la possibilité d'acheter des JEURO avec des vrais euros, des JFIAT avec des fiat finalement. Et ça, depuis du coup le fin du mois de juin, c'est rendu possible grâce à mon pèlerin. Alors, en fait, c'est assez énorme parce que comme on fait des actifs synthétiques, la plupart des banques et des comment on appelle ça, des prestataires de services qui font du on-ramping avec crypto qu'on a contacté, au début, c'était pas chaud parce qu'en fait, il faut bien comprendre que faire de l'on-ramping pour du Bitcoin, il y a un certain risque, mais il y a juste le risque de blanchiment d'argent. Par contre, faire de l'on-ramping avec des synthétiques, il y a un autre risque, c'est qu'un synthétique, en fait, c'est un produit qui est complexe et ça peut être considéré comme un actif financier. Or, toutes ces entreprises-là, elles n'ont pas de licence pour faire de la vente d'actifs financiers. C'est pour ça que tu ne pourras pas acheter un Bitcoin levier 3 en utilisant un service d'on-ramp. Tu pourras acheter que du Bitcoin, etc. Et pas tous les actifs synthétiques ne sont identiques. Tu as des actifs synthétiques, effectivement, qui sont vraiment des produits financiers. Mais nous, on a fait en sorte que notre design ne soit pas un actif financier. C'est-à-dire que quand on a designé le protocole et comment c'est perçu et comment tout fonctionne, on a fait en sorte que l'on ne tombe dans aucun framework de régulation existant. Je dis bien existant parce que ça ne veut pas dire que dans un an, on va nous pondre un truc qui nous met en actif financier. Et ça, c'est énorme parce que quand on a démarché du coup différents acteurs et quand on a discuté avec mon pèlerin, ils ont vu, OK, mais ce n'est pas un actif financier. On a d'ailleurs fait un travail légal là-dessus. Hein. On a des avocats qui ont travaillé pour le framework UK, Suisse et européen et qui ont effectivement conclu que non, ce ne sont pas des actifs financiers. Et donc, eux, ils ont vu ça. Comme en plus, on utilise l'USDC comme collatéral, alors ce n'est pas très décentralisé, certes, mais au moins, ça rassure la banque. Mais en fait, ils se sont dit, bon, alors voilà, en gros, c'est de l'USDC derrière, ce n'est pas un actif financier, banco, allons-y. Il y a un très faible risque pour eux. Et du coup, c'est grâce à ce design et au collatéral que on peut discuter tranquillement avec les fiat on off-ramp et certaines banques pour proposer ça. Et donc, à l'heure actuelle, on est, je pense, l'un des seuls projets synthétiques au monde avec l'UST de Terra et le DAI de Maker qui a une fiat on et off-ramp effective. Et alors, nous, par contre, on le fait pour du non-USD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as 500 euros, tu vas sur mon pèlerin, tu télécharges leur wallet, donc ça s'appelle le Bridge Wallet. C'est un wallet qui est non custodial, donc tu as la clé privée. Par contre, il faut passer un KYC, bien sûr, si tu veux utiliser leur fiat on-ramp. Donc, si tu as 500 euros, tu passes leur KYC, tu envoies 500 euros à mon pèlerin, tu récupères 500 giros. On fait du 1 pour 1, que ce soit sur Ethereum ou sur Polygon. Donc, ça, c'est pas mal parce que on a donné la possibilité maintenant aux gens de pouvoir acheter, par exemple, 10 000 giros directement sur Polygon avec un ratio 1 pour 1. Une fois qu'ils ont ces 10 000 giros sur Polygon, ils ont la possibilité de les vendre sans slippage pour de l'USDC ou, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec notre système, on combine un trade Forex avec un swap on-chain. Alors, pour l'instant, sur Polygon, on est connecté à QuickSwap. Et puis ensuite, plus tard, on se connectera à Paraswap pour avoir une meilleure liquidité. Donc, en gros, si tu veux acheter du Matic, en fait, ce qui va se passer, c'est que les giros que tu viens d'acheter avec tes 10 000 euros, tu vas les échanger sur notre exchange pour du Matic. Et en fait, ce qui va se passer, comme je dis, donc Forex on-chain, zéro slippage et ensuite le trade sur QuickSwap. Et donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a connecté Matic avec tes euros. Alors certes,
Ce n'est pas encore un système en une transaction. Il faut d'abord euro, JEuro, puis ensuite JEuromatic. Mais c'est ça que je disais tout à l'heure quand on veut vendre notre solution comme à des entreprises en gros un peu plus centralisées ou même à des entreprises comme Opera en disant ben, si tu reçois des euros de ton client, au lieu que tu demandes ensuite à ton client de faire JEuromatic, est-ce que tu ne peux pas toi-même en fait faire ce boulot-là, c'est-à-dire d'acheter les matiques à sa place et de lui envoyer? Et en utilisant notre technologie, mon pèlerin n'a pas besoin de garder des matiques dans leur compte en disant, ben, parce que quand tu proposes une fiat on-off ramp, il faut toujours que tu aies une réserve. Donc, par exemple, si quelqu'un demain propose du euromatique, ben, il faut qu'eux, ils aient déjà des matiques token. Ensuite, ils reçoivent les euros et t'envoient les matiques. Ben là, mon pèlerin n'aurait pas besoin de faire ça, en fait. Ils auraient juste besoin de garder en réserve des JEuro ou des JFrancs suisses. Et quand quelqu'un veut acheter du matic en leur envoyant 10 000 euros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre 10 000 JEuro, acheter le matic sur notre exchange et envoyer du matic à cette personne-là. Et du coup, la technologie qu'on a développée là, c'est vraiment du back-end. Ça permet à des wallets de connecter le fiat à la liquidité de tout le marché crypto. Et ça, c'est ce qu'on essaie aussi de vendre à d'autres solutions. Par exemple, bon, je ne donne pas les noms, mais je discute en ce moment avec une fiat on and off ramp qui est bien intégrée dans la DeFi. Et eux, ils proposent d'acheter quasiment tout, du Wrapped BTC, de l'Ether, etc. Et ils ont des market makers. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque tu veux acheter de l'Ether, eux, ils demandent à leur market maker, tiens, est-ce que tu peux faire un bon prix pour l'Ether face à l'euro ou un truc comme ça? Et quand je leur ai demandé si, ils étaient chauds pour supporter le franc suisse, ils m'ont dit, le problème du franc suisse, c'est qu'il faut d'abord que l'on voit avec notre banque, parce que quand nous, on reçoit du franc suisse, on va d'abord faire un trade Forex avec notre banque. Donc, on va faire franc suisse, dollar avec notre banque. Et ensuite, on va acheter avec ce dollar à un fournisseur de liquidité l'Ether. Donc, c'est-à-dire que ce que cette boîte fait, c'est ce que nous, on fait, mais sur la blockchain. Et du coup, ils nous ont dit, pour le franc suisse, on va voir si on peut le faire, parce qu'on n'a pas beaucoup de demandes. Et quand je leur ai demandé, est-ce qu'on peut faire la même chose pour le zloty polonais? Et là, ils m'ont dit non. Parce que, en gros, leur problème, c'est pas, ils ont la capacité aujourd'hui d'accepter les paiements en zloty, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ils n'ont pas la banque. La banque derrière ne fera pas zloty USD. Donc, ils m'ont dit non. Et du coup, j'ai essayé de leur expliquer, OK, mais tu sais que si tu supportes le zloty, au lieu d'aller voir ta banque et de faire le trade Forex avec ta banque, ce qui n'est pas possible du coup, mais tu peux faire le trade Forex sur notre plateforme. Tu peux échanger sur notre plateforme le zloty pour de l'USDC. Et après, tu peux aller voir avec ces USDC tes fournisseurs de liquidités et essayer de trouver de l'Ether avec de l'USDC. Et quand on a présenté ça à ce gars, il fait, putain, c'est vrai que c'est pas mal. Ça nous permettrait, au lieu de travailler avec la banque pour faire des trades Forex et ensuite d'aller voir des market makers, d'utiliser Jarvis pour faire le Forex. Alors, je ne pense pas que ça débouchera sur quelque chose aujourd'hui parce qu'on est encore trop petit et lui, c'est juste un commercial avec qui on a discuté, donc il faut qu'il escalade ça à sa hiérarchie. Mais on voit que notre technologie peut régler le problème de l'onboarding des devises un peu moins connues. Parce que franchement, à chaque fois que je discute avec une fiat on and off ramp et que je leur demande, est-ce que vous supportez l'euro? Oui. Est-ce que vous supportez le franc suisse? Ouais, on a un peu de demande. Et dès que je leur dis, est-ce que vous supportez le zloty ou la leva bulgare ou enfin n'importe quelle autre devise beaucoup moins connue, que je sais pas, le DKK, par exemple, le truc du Danemark ou le SEK de Suède, ils me disent tous, bah non, parce que la banque derrière, elle peut pas en fait faire ça. Et donc voilà, l'idée qu'on essaie de vendre aux fiat on off ramp et aux wallets, c'est ça, cette possibilité de connecter la fiat ou les stablecoins à toute la liquidité du marché crypto. Et ensuite, ce qu'on commence à travailler, ce sur quoi on commence à travailler maintenant, c'est d'autres choses. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir la fiat on and off ramp. Donc maintenant, les gens peuvent acheter du JEuro, que ce soit sur Polygon ou sur Ethereum. C'est bien beau de la connexion à la liquidité. Ça aussi, c'est fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux vraiment les échanger contre ce que tu veux. Mais par contre, ce n'est pas assez sexy. C'est-à-dire que moi, si je vais à un repas de famille demain, le fameux repas à Noël où tes cousins et tes oncles demandent alors la crypto et que tu leur montres ton wallet, ils disent ah, c'est trop compliqué. Je vais pas leur dire bah, regarde, tu peux acheter les JEuro et les échanger pour du matic. Le mec, il va regarder avec des yeux comme ça. Non, ce qui serait vraiment sexy, c'est de dire bah, regarde, tu peux générer des rendements sur tes JEuro. Et donc, ça, c'est l'étape sur laquelle on est en train de bosser. C'est-à-dire que bah, l'idée de créer des comptes épargne en euros, en francs suisses, en zloty, en ce que tu veux. Donc, ça, c'est assez énorme parce que si tu as d'un côté le on-ramping, où tu peux acheter des JEuro avec des euros, et qu'en plus tu peux soit accéder à la liquidité du marché crypto, soit accéder à du rendement, ben là tu commences vraiment à avoir une solution super sexy. Et donc là on travaille sur le fait de générer du rendement sur les JEuro déjà, puis après on achètera d'autres devises. Et il restera du coup une dernière chose à développer, c'est ce qu'on appelle les intégrations. Parce que en gros, avec un vrai euro dans la vie, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux acheter des trucs, tu peux ouvrir un compte épargne. Bon.
tu peux les déposer sur un exchange et acheter du Bitcoin. Et tu peux les déposer, par exemple, sur un casino en ligne et jouer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'intégration. Donc nous, aujourd'hui, on a la possibilité juste d'accéder à la liquidité crypto et bientôt de générer du rendement donc en déposant, entre guillemets, sur un compte épargne. Il nous manque donc deux choses. Il manque les paiements et il manque les intégrations, c'est-à-dire, je ne sais pas, un casino sur la blockchain ou même un protocole qui fait du trading à effet levier ou un assurant ou une assureur ou même un money market comme un AV. Donc ça, c'est le truc qui nous manque pour l'instant et sur lequel on travaillera un peu plus tard. C'est de dire, bon, les JRO, tu peux aussi les utiliser ailleurs. Par exemple, si tu veux jouer à la roulette sur la blockchain, bah vas-y. On a développé un partenariat avec ce projet-là. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'intégrer nos stablecoins un peu partout, quoi. Et il manquera juste, du coup, les paiements. Parce que c'est vrai que ça serait vraiment cool de pouvoir payer, je sais pas, un truc avec tes JRO. Alors, ça, c'est l'étape la plus compliquée parce qu'il faut travailler avec des entreprises comme WireX, Crypto.com et tout. Et honnêtement, on est vraiment trop petit pour l'instant pour ça. Mais par contre, ce qu'on propose déjà dès aujourd'hui, enfin, c'est pas nous qui le proposons, c'est Montpèlerin, c'est que si tu es une entreprise, tu peux déjà faire du paiement avec du JRO. Alors nous, il faut savoir que depuis le mois de juin, la boîte de dev qu'on a, hein, qui développe le protocole, on n'a plus utilisé notre compte bancaire depuis le mois de juin. Bon, déjà parce qu'on n'en a plus. On s'est fait virer encore une fois par notre banque. Et en fait, au lieu d'ouvrir un nouveau compte bancaire et d'encore se faire virer au bout de 3 mois, parce qu'il faut savoir que les banques sont anti-crypto en Bulgarie, la Bulgarie est crypto-friendly, mais pas les banques, ben, en fait, on passe directement par Montpèlerin. Donc ce qu'on fait, c'est que si on a une facture à payer, si on a un salaire à payer, on envoie nos JRO à Montpèlerin. Donc, si on doit payer une facture de… prenons l'exemple d'hier. Voilà. Hier, on avait une facture de 450 livres sterling à payer. On paye un prestataire de service pour avoir les prix du Forex en temps réel. Ça, c'est utile pour monitorer notre activité, etc. Et c'est une entreprise au UK, donc il fallait leur payer 450 livres sterling. Bon, on n'a pas de compte en banque. Qu'est-ce qu'on fait? On leur a demandé une facture avec la possibilité de payer par virement. Ils ont envoyé la facture dans notre boîte. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'avec nos USDC, on a acheté 450 livres sterling synthétiques sur notre exchange. Ensuite, on a envoyé ces 450 livres sterling à Montpèlerin avec la facture en leur disant « Est-ce que vous pouvez payer ce prestataire 450 livres sterling ?» Ça a été fait aujourd'hui. Et donc, le paiement va être reçu, je suppose, dans la journée ou demain. Et voilà. Et donc là, en fait, on a déjà aujourd'hui la possibilité d'utiliser nos JFiat comme outil de paiement, mais c'est que pour les entreprises. Mais c'est déjà bien. Parce que, en fait, quand on a lancé les JFiat, notamment le JF en Suisse, les deux premiers coups de fil qu'on a reçus, c'était deux entreprises en Suisse. Et ces entreprises qui sont très loin de la crypto, qui n'ont d'ailleurs aucun intérêt à la crypto, qui s'en foutent royalement. Mais ils ont entendu parler qu'ils pouvaient avoir des francs suisses sur la blockchain sans intérêt négatif. Parce qu'en fait, je suppose que tu sais qu'aujourd'hui, en Europe, tu as des intérêts négatifs sur l'euro, le franc suisse. Et donc, ces intérêts négatifs aujourd'hui sont répercutés sur les épargnants. Et donc, ces deux boîtes, alors je vais prendre l'exemple de la première boîte, c'est une boîte qui fait de l'immobilier. Et en fait, c'est une boîte qui fait de la promotion immobilière, mais qui aussi fait du syndic et qui loue des appartements. Et en fait, c'est un concept où apparemment, il faut que tu payes 3 mois de loyer à l'avance. Bon, c'est parce que je crois que c'est des trucs un peu luxueux et du coup, ils ne veulent pas prendre de risques et ils demandent en gros 3 mois de loyer à l'avance. Et du coup, ils se retrouvent avec une montagne de cash. Tous les mois. Et le problème, c'est que ça dort sur leur compte en banque et ça génère des intérêts négatifs. Et donc, ce mec-là m'appelle et il me dit, voilà, nous, on paye des intérêts négatifs tous les mois. On voudrait trouver une solution pour acheter des francs suisses synthétiques avec nos francs suisses. Comme ça, on ne paye plus de taux négatifs. Et à ce moment-là, on leur a dit, bon, vous pouvez acheter des JCHF et quand vous n'en avez plus besoin, vous faites JCHF, CHF. Alors, le problème, c'est que ce n'est pas passé leur entre guillemets, niveau de compliance parce que quand ils en ont discuté en gros à leur équipe, les mecs disent « crypto, c'est trop risqué, etc. » Mais il y a certaines personnes dans cette entreprise qui ont voulu utiliser le JCHF pour ça. Et le deuxième call qu'on a reçu, c'était pareil. C'est une entreprise qui, du coup, l'a fait, elle, qui a acheté des JCHF pour garder des francs suisses, mais de ne pas payer de taux négatifs. Et donc ça, c'est un gros use case qui n'est pas très sexy pour le crypto user lambda, parce qu'il s'en fout, quoi. Mais pour une entreprise, de transférer sa trésorerie d'euros vers du JRO ou de CHF vers du JCHF pour éviter de payer les taux négatifs et aussi, pourquoi pas, de générer du rendement si ça les intéresse, ça, c'est vraiment intéressant. Et donc voilà, en gros, l'écosystème qu'on est en train de développer. Donc, pour résumer, donc on a commencé par l'émission et l'échange. Et tout l'intérêt de Jarvis, c'est cet échange à taux, enfin sans slippage, qui permet du coup
d'accéder à toute la liquidité crypto. Et ensuite, les stablecoins qui sont assez stables du coup grâce à ça et qui permettent de générer donc du rendement. C'est ça aussi qui a permis de convaincre d'avoir une fiat en un franc. Et ensuite, on va travailler sur donc les intégrations. Et pour l'instant, on a les paiements entreprises et puis on espère plus tard faire de l'acquisition paiement, c'est-à-dire de pouvoir payer en JEuro quelqu'un, un prestataire de service. Et puis après, plus tard, ce serait vraiment cool d'intégrer les JEuro sur des boîtes qui font des cartes. J'en ai déjà contacté deux la semaine dernière. Et donc, j'espère avoir pas forcément une réponse positive, mais au moins un intérêt. En disant, ah oui, ça serait bien que quand vous serez un petit peu plus gros, de travailler avec vous pour proposer vos JEuro et JGP sur nos cartes à nous. Et puis, on va bientôt lancer donc le stacking de JRT. Et il y aura plus tard plusieurs fonctionnalités. Donc, par exemple, tu pourras payer moins de fees si tu stackes du JRT. Tu pourras aussi générer peut-être du rendement si tu stackes du JRT. Enfin bref, on va travailler sur le JRT après. L'idée, c'est qu'on ne peut pas faire tout en même temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, le JRT a moins d'utilité que ce qu'on voudrait. Mais on est d'abord focalisé sur le protocole en lui-même. Et ensuite, on va se focaliser énormément sur le JRT. L'objectif, à la fin, c'est qu'on peut se concentrer sur JRT pour créer une token économique un peu virale, un peu flywheel, qui permettrait du coup au token de vraiment prendre beaucoup d'utilité et donc on espère de la valeur et d'utiliser le JRT comme collatéral et tout et tout. Donc ça, c'est la chose qu'il faut comprendre pour ceux qui voudraient rejoindre la communauté, soit en étant utilisateur, soit en achetant le token. C'est que pour l'instant, le focus est vraiment sur le protocole et ensuite tu auras sur le focus sur le JRT dès qu'on aura fini ce qui a fini. Hyper intéressant. Bon, tu as tapé dans toutes mes questions, mais au moins c'est très clair comme ça. Et au niveau des volumes de Jarvis, est-ce que tu peux nous communiquer un petit peu ce que vous faites en termes de volume sur la plateforme? Alors pour le volume sur la fiat en un franc, on est à peu près sur du 100 000 euros par mois. Donc c'est pas énorme non plus, mais c'est raisonnable. On est quand même content. Ensuite, sur les volumes de l'exchange, on est toujours entre 500 000 et 2,5 millions par mois. Alors, le problème, c'est qu'en fait, comme on était d'abord sur Ethereum, en fait, c'est quand même un design qui est assez complexe, Jarvis, et qui demande des transactions compliquées. Du coup, c'est très cher en gaz. Donc, par exemple, si sur Uniswap, tu payes 20 $ pour un swap, sur Jarvis, tu vas payer un truc comme 60 $, 50-100 $. Et alors, si tu veux échanger des JEuro pour des bitcoins, là, c'est encore plus cher. Sur Ethereum, tu vas sans doute payer un truc comme 90 voire 100 $. Donc, si tu veux, sur Ethereum, ce n'est pas très utilisable et du coup, on a très peu de volume sur Ethereum. Là, on vient de se lancer sur Polygon. On est encore en mode lancement à la cool. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup de volume sur Polygon. Par contre, dès qu'on aura mis les bouchées doubles sur Polygon et qu'on aura vraiment commencé à dire aux gens, c'est bon, maintenant, aller sur Polygon, on s'attend à beaucoup plus de volume là-dessus. On va faire des concours de trading pour proposer aux gens sur Polygon de trader Bitcoin Euro et puis de gagner des prix. Par exemple, je sais pas, un concours sur une semaine ou 2 semaines, donc ça va aussi générer du volume. On va faire, donc, comme je dis, du yield farming avec d'autres projets Euro. Donc ça va aussi créer des arbitrages parce que, par exemple, si tu fais une pool de liquidités sur Balancer ou Kyber avec un autre token Euro, en fait, l'intérêt, c'est de faire des arbitrages. C'est-à-dire que les autres tokens Euro, ils n'ont pas la possibilité d'avoir comme nous un échange au prix de l'oracle. C'est-à-dire que si tu veux échanger des euros S contre des USDC, ça va se faire au prix sur Uniswap ou sur Balancer. Et donc ça, c'est le prix de l'offre et de la demande. Ce n'est pas en fonction d'un oracle. Alors que nous, tous les trades se passent au niveau de l'oracle. Ce qui veut dire qu'il y a toujours une différence de prix entre l'euro S et le JEuro. Et donc, c'est-à-dire si on fait une pool en commun JEuro-Euro S, il y a des arbitrages sympas. Quand l'euro S est plus cher que le JEuro, ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter des euros S, les vendre pour des JEuro dans la pool JEuro-Euro, et ensuite vendre ces JEuro pour des USDC sur notre exchange. Et c'est comme ça que tu gagnes de l'argent. Et donc ça générera aussi des volumes sur notre exchange. Et donc voilà en gros pour les volumes. Et après, nous, on est aussi très capital efficient. Alors, je ne suis pas entré dans le détail du design de la pool, parce que j'avais peur d'en perdre quelques-uns. Mais en gros, on est très capital efficient. C'est-à-dire que nous, juste 1 $ de liquidité permet de trader 4 $ de trade, entre guillemets. Donc, on n'a pas besoin de. C'est un peu comme Uniswap V3, mais encore plus efficient. On n'a pas besoin d'avoir 30 millions de dollars de TVL pour générer beaucoup de volume. Juste 2-3 millions de dollars suffit pour pouvoir trader jusqu'à 10 millions de dollars tranquillement d'actifs. Donc voilà. Et si on veut rentrer quand même un tout petit peu dans les détails, est-ce que tu peux nous expliquer cette sorcellerie?
Ok, alors en gros, lorsque tu veux acheter un JEuro, comme j'ai dit tout à l'heure, tu l'achètes à un fournisseur de liquidité. Donc, comme je l'ai dit, le fournisseur de liquidité, il doit émettre le JEuro. Donc, j'ai expliqué comment fonctionne l'émission. Il faut que tu déposes, par exemple, 125 USDC. Et avec ces 125 USDC, tu peux emprunter 100 dollars de JEuro. Donc, ça fait à peu près 80 JEuro. Donc, c'est-à-dire que le fournisseur de liquidité doit d'abord dépenser 125 USDC, créer 80 JEuro et te les vendre 100 USDC. Donc, après, le fournisseur de liquidité, du coup, va récupérer les 100 USDC. Donc, finalement, il a dépensé 125 et il en a récupéré 100. Donc, son delta, c'est moins 25. En réalité, le fournisseur de liquidité n'a dépensé que 25 USDC. Alors, nous, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on va demander au fournisseur de liquidité de d'abord mettre 125 si c'est pour ensuite récupérer 100? On fait ce qu'on appelle une compensation. La compensation, c'est quelque chose qui arrive dans la vie de tous les jours. C'est comme ça que fonctionnent les banques, les brokers, etc. Donc, je ne sais pas si tu sais ou si ton audience sait, mais si aujourd'hui tu fais un virement de ton compte Société Générale vers le compte de quelqu'un d'autre qui est, je sais pas, au Crédit Lyonnais, et que tu envoies 100 euros, et que plus tard dans la journée, quelqu'un d'autre au Crédit Lyonnais envoie, par exemple, 50 euros à quelqu'un qui est à la Société Générale. En fait, il ne va pas y avoir de transfert. La Société Générale ne va pas envoyer d'abord 100 euros et ensuite le Crédit Lyonnais ne va pas renvoyer 50 euros. En fait, on va attendre la fin de la journée et à la fin de la journée, la Société Générale va demander au Crédit Lyonnais, bon, moi en gros, je suis censé t'envoyer 100, toi tu es censé m'envoyer 50, bah, écoute, je t'en envoie que 50. Et donc, ça permet à la Société Générale de ne sortir que 50 euros au lieu d'en sortir 100. Bah, nous, c'est pareil. Le système de compensation, bah, au lieu de demander au fournisseur de liquidité de sortir 125 et après d'en récupérer 100, on lui demande juste d'en sortir que 25. Donc le fournisseur de liquidité, en réalité, il va juste mettre 25 USDC sur la table. Ces 25 USDC vont être rejoints par les 100 USDC de l'acheteur. Et il va utiliser les 100 USDC de l'acheteur et ces 25 USDC pour les déposer dans le smart contract, emprunter 80 JEuro et les donner à l'acheteur. Donc en fait, il vend le JEuro avant qu'il soit créé. Donc, il va récupérer les 100 dollars de l'acheteur et il va les utiliser pour muter. Et c'est pour ça que c'est capital efficient parce que bah, le fournisseur de liquidité n'a juste besoin que de déposer 25 USDC pour permettre la création de 100 dollars de JEuro. Et donc, c'est pour ça que 1 million de dollars de liquidité permet de trader jusqu'à, enfin, d'acheter jusqu'à 4 millions de dollars de JEuro ou de JFrancs suisses, etc., etc. Et tout ça, c'est grâce à votre environnement qui s'appelle Synthareum, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai oublié de commencer par ça. En fait, Jarvis Network, on va pas faire qu'un truc. On crée un écosystème de protocoles. Donc, il y aura plusieurs choses. Et le protocole de base, c'est Synthereum. Puisque, bien évidemment, à la base d'un système financier, bah, tu as de la monnaie et la possibilité d'échanger cette monnaie. Donc, ça, c'est ce qu'on crée avec Synthereum. Et ensuite, par-dessus ça, on va créer d'autres choses. Ça va pas forcément être que de la DeFi. On est aussi très intéressé par tout ce qui est gaming, metaverse, etc. Donc, il y aura peut-être aussi des trucs qu'on fera dans le futur là-dessus. Mais voilà, l'idée, c'est de créer plusieurs petits protocoles qui interagissent entre eux. Donc, bon, bah, les protocoles qui nous intéressent, bien sûr, après Synthereum, ça sera de faire du trading à effet levier, du yield farming, donc de proposer bah, entre guillemets, des comptes d'épargne, des trucs comme ça, des stratégies un peu plus sophistiquées, des money market, etc., etc. Avant de conclure, Pascal, parlons un petit peu des NFT. T'en parlais au tout début. Quelle est ta vision sur ces NFT et sur la synergie qu'il pourrait y avoir entre la DeFi et les NFT l'année prochaine, par exemple? Pour moi, les NFT, c'est vital pour l'adoption de la blockchain. Et alors, y a deux grands types de NFT. Il y a les NFT que tu collectionnes parce que bah, tu as de l'argent dépensé, un peu comme quelqu'un qui vient de gagner au loto. Tu vas t'acheter peut-être une voiture, une maison, charité, blablabla. Et peut-être qu'à un moment donné, tu vas t'acheter une Rolex ou tu vas t'acheter une œuvre d'art. Les œuvres d'art, tu sais pas pourquoi, mais ça coûte cher. C'est-à-dire que si tu devais payer un artiste au nombre d'heures qu'il travaillait, bah, ça coûterait moins cher que la plupart des œuvres d'art. Parce que une œuvre, ça fait appel à, je sais pas, un narratif, à l'histoire de l'artiste, enfin, tu vois. Plus l'histoire elle est tordue, plus ça fait un peu un truc unique et plus en général ça coûte cher. Et les gens achètent des œuvres d'art extrêmement chères, hein, plusieurs centaines d'euros à plusieurs millions, comme tu sais. Donc tu as une catégorie d'NFT où c'est pareil. En gros, les gens qui sont devenus riches avec la crypto, ils ne vont pas forcément acheter un Picasso ou
une œuvre d'art dans la vie réelle, ils peuvent le faire, mais a priori, ils vont surtout acheter un NFT. Pas parce que ouais, c'est un JPEG que tu possèdes, blabla. Enfin, ça, c'était un narratif pourri, franchement. Les premiers NFT, quand on a dit ah, c'est bien, pourquoi? Parce que tu possèdes les droits de ton image. Non, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que toi, tu as un moyen de montrer aux autres que tu as réussi. Et c'est con, mais il y a beaucoup de gens qui achètent, par exemple, des montres ou des voitures parce qu'ils aiment les montres ou les voitures. Et tu as aussi beaucoup de gens qui les achètent juste pour dire, regarde, j'ai réussi. C'est pour ça que tu as plein d'habits de marque où tu vois bien, en gros, Philippe Lane ou Louis Vuitton. Ce n'est pas parce que tu trouves le sigle de Philippe Lane magnifique. C'est juste parce que tu veux montrer au monde, regarde, je viens de payer, je ne sais pas combien de centaines d'euros dans un t-shirt. Et donc, ça fait appel, si tu veux, à la base de ce qu'on est en tant qu'être humain, quoi, à nos sentiments, comment on s'appelle, tu sais, tout ce qui est les péchés capitaux, quoi, l'avarice, la luxure, etc. Et donc, pour moi, les NFT, c'est un énorme marché déjà juste pour ça. Moi, j'en suis arrivé à un point où je suis capable de dépenser de l'argent dans des NFT, alors que pour dépenser la même somme d'argent dans la vraie vie, ça va me prendre des mois, voire des années. Un exemple con, dépenser, je sais pas, 30 000 euros dans une nouvelle voiture. Je vais y réfléchir pendant un an, je vais essayer plein de voitures et puis peut-être qu'à la fin, je ne le ferai pas. Dépenser 30 000 euros dans un NFT, j'ai aucun souci à le faire. Et donc, si j'arrive à faire ça, et si j'arrive à y penser, ben, c'est-à-dire que plein d'autres personnes pensent comme moi, et c'est pour ça qu'il y a ce marché-là de l'NFT. Après, il y a une deuxième dimension, c'est la dimension communautaire. La dimension communautaire, c'est ben, quand tu possèdes quelque chose, tu appartiens en gros à un clan. C'est un truc con, tu vois, j'ai un piercing à l'oreille depuis très longtemps. Et bon, je ne suis pas un mec qui est porté sur les piercings, les trucs comme ça, mais un truc qui est marrant, qui m'arrive souvent, c'est que bah, des fois, quand je rencontre quelqu'un qui est un peu, tu sais, avec le style emo ou tu sais, ce genre de persona, et quand il voit ça, il dit, tiens, lui, il appartient à ma communauté. Et un truc marrant qui m'est arrivé il y a pas longtemps, c'est que je me suis fait alpaguer, je faisais un truc en Bulgarie avec un petit groupe. Je crois que c'était pour apprendre, comment on appelle ça, les trucs pour réciter les gens, là, tu sais, stage de survie, pas stage de survie, stage pour apprendre à faire des massages cardiaques et tout. Et il y avait une sataniste dans le groupe. Et en fait, elle a vu mon truc. Elle fait, putain, lui, il est comme moi. Et elle a été me voir et elle a commencé à me parler. Parce qu'en fait, les gens, ils aiment bien aller vers l'aspect communautaire. Et ben, le NFT, c'est ça. Si tu possèdes un certain NFT, tu appartiens à la communauté. Donc, si tu possèdes un punk, si tu possèdes un bored ape, si tu possèdes un 3 dots, dot, ou si tu possèdes un loot, et ben, tu appartiens à une communauté. Et donc, ce sentiment d'appartenance, c'est assez important et assez intéressant. Ça peut m'être vu d'un point de vue marketing. Par exemple, moi, il y a des NFT que j'achète parce que je n'ai pas forcément envie de les avoir, mais j'ai envie d'aller dans ces communautés parce que bah, pour le business et pour Jarvis, ça peut être intéressant d'aller voir des gens, de discuter. Tiens, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Et donc, c'est pour ça que les NFT ont aussi cette valeur-là. Et puis enfin, tu as les autres choses qu'on nous a tout le temps vendues, c'est-à-dire bah, les NFT, ça peut être des items dans les jeux vidéo, ça peut être des trucs aussi cool, des expériences sociales, genre des NFT que tu peux générer entièrement sur la blockchain. Quand on combine deux, ça en fait un deuxième et ça peut peut-être devenir plus rare. Enfin bref, tu as tous ces petits trucs-là. Et donc pour moi, ouais, le NFT a sa place dans la crypto et c'est un marché qui est extrêmement intéressant et extrêmement porteur. Et du coup, ouais, là, j'investis de plus en plus dans le NFT et j'y crois de plus en plus. Et ce qui est de plus important et de plus intéressant, c'est qu'à un moment donné, il y aura le crossover NFT DeFi. C'est-à-dire que, par exemple, tous ces NFT qui veulent créer des métaverses, donc c'est-à-dire des réalités virtuelles, dans lesquels les gens feront des trucs. Bon, à un moment donné, il y aura de la valeur qui sera créée et donc de la valeur qui doit être échangée et donc il y aura ben, un système financier quoi, qui doit arriver. Donc là, DeFi va pouvoir arriver et dire ah, ben, coucou, on est là. Nous, on peut être le système financier de ce jeu vidéo, par exemple. Ou alors, ce jeu, entre guillemets, va créer son propre système financier, donc son sub-DeFi. Et du coup, il y aura aussi pareil de l'argent à se faire à ce niveau-là. Et donc, ouais, c'est un peu science-fiction là ce que je suis en train de dire, mais moi, c'est la thèse que je soutiens et c'est pour ça que j'investis à fond dans les NFT aujourd'hui. Très intéressant cette projection. Et pour conclure, Pascal, est-ce que tu peux nous communiquer la roadmap de Jarvis, ou en tout cas les grands projets, les grandes tendances que vous allez suivre, sur lesquelles vous allez travailler dans les prochains mois et les prochaines années? Alors, juste pour les NFT. Que les gens de ta communauté, il faut s'intéresser au projet Loot, LOOT Project. Alors, pas Loot NFT, mais Loot Project. Si vous aimez le Heroic Fantasy, si vous aimez. En fait, Loot, c'est le Ethereum
de l'Heroic Fantasy, c'est le Ethereum des NFT. Donc c'est vraiment une révolution. C'est sorti il y a 6 jours et c'est en train de prendre Twitter et tout le monde des NFT par surprise. Et c'est quelque chose qui est énorme. Comment c'est quelque chose? LOOT Project. Donc, tu vois, sur Twitter, si tu as Plout, voilà, tout le monde va en parler. Il y a un token qui est sorti hier qui s'appelle le AGLD, qui paraît. J'en parlais tout à l'heure du AGLD. Bref. Et donc pour la roadmap, ouais, on n'a pas de roadmap parce que bah, c'est toujours compliqué d'avoir des dates précises. Par contre, là, sur quoi on travaille en ce moment. Donc, il y a un truc qui nous a toujours bloqué sur Jarvis, c'est qu'on est un fork de Ouma. Mais on est un fork supporté par Ouma. C'est-à-dire qu'on utilise Ouma même si on les a forkés. Et ça, c'est assez relou parce que, ben, par exemple, là, tu vois, il y a Avalanche, comme je disais tout à l'heure, qui a lancé son programme d'incentive, ou Phantom. On aimerait bien aller sur Avalanche et Phantom, mais on ne peut pas y aller si Ouma ne crée pas de pont. Et donc là, en fait, on travaille sur remplacer Ouma par Chainlink entièrement dans tout notre système, ce qui nous permettrait de pouvoir aller sur n'importe quelle blockchain. Donc là, on commence ce travail-là et ça nous permettra du coup d'aller ben, où on veut quand on veut. Donc là, j'aimerais bien aller sur Phantom, j'aimerais bien aller sur Avalanche, pourquoi pas Solana quand ils seront EVM compatibles, etc. Donc, on travaille là-dessus. Ensuite, on va travailler sur le multi-LP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dis tout à l'heure que quand tu vas acheter un JORO, tu achètes un fournisseur de liquidité, bah, la réalité, c'est qu'en fait, pour l'instant, il n'y a qu'un fournisseur de liquidité. Et c'est que nous, en gros. Enfin, ce n'est pas vraiment nous, mais c'est on va dire, un partenaire de Jarvis. Et le problème, c'est que bah, du coup, ça nous rend non scalable parce que du coup, on n'a pas non plus de liquidité infinie. Et donc là, on est en train de travailler sur un système où n'importe qui peut devenir fournisseur de liquidité. Donc ça, c'est aussi dans la roadmap. Après, on attend que le gaz sur Ethereum soit un peu plus bas pour lancer d'autres actifs synthétiques. Par exemple, moi, je suis un grand fan du PHP. C'est le peso philippin. Donc, on va essayer de lancer quelques devises exotiques comme ça. Et puis ensuite, ensuite on aura le collatéral qui génère du yield. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les USDC dans Jarvis, il reste sur le smart contract. Aujourd'hui, on a une TVL qui est à peu près de 2 ou 3 millions. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 millions d'USDC qui ne font rien. Et ça, c'est assez chiant. Donc, en fait, à un moment donné, on va donner la possibilité à ce collatéral d'être déposé sur AV pour générer ne serait-ce que 5 ou 10% par an. Au moins, ça ne sera pas de l'argent perdu, quoi. Donc, voilà en gros pour la roadmap immédiate. Bien évidemment, d'autres intégrations dans des fiat on off-ramp. Et ensuite, on va travailler sur un smart contract qui permet aux wallets, que ce soit centralisé ou décentralisé, de nous intégrer. Et donc, par exemple, si demain, tu as un wallet et que tu veux intégrer donc le Forex, ce que je disais tout à l'heure, quand tu peux acheter du Bitcoin avec du JORO, truc comme ça, et ben tu pourras, au lieu d'intégrer tous nos smart contracts, en fait, d'intégrer notre SDK, notre API ou directement un smart contract qui réunit tout ça. Et du coup, on va aller vers du business to business. Donc, la plupart du BizDev qu'on va faire, c'est d'aller voir des wallets, leur dire, tiens, intègre notre solution. Et comme ça, on pourra avoir les JORO et les exchanges un peu partout. Donc, voilà en gros pour notre roadmap dans les mois qui viennent. Excellent. Merci beaucoup, Pascal, pour ce point sur la DeFi et cette présentation de Jarvis. Je vous mets dans la description toutes les informations relatives au projet de Pascal Jarvis Network donc, et quelques articles qu'on a pu faire sur Cryptost à ce sujet. J'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à nous suggérer d'autres intervenants ou projets que vous aimeriez voir traités sur ces podcasts. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.